Hey, debout là-dedans. C'est l'heure de la pitance. T'as de la chance, tu sais. Les pillards comme toi, on les crève sur place sans discuter. Mais moi... moi, j'ai l'œil pour ces breloques de nobles. Heureusement pour toi, j'ai plus le goût de l'or que le goût du sang, Lady de Rune. Où est mon frère? Hé, il va bien. Mieux vous vous portez, plus grosse est la rançon. D'ailleurs, j'y suis peut-être allé un peu fort. La rançon? Qui l'a payée? Tu verras bien. T'es plus chez toi, gamine, alors sois sage, c'est compris? Sale chien. Millie. L'autre, c'est Arthur. Tout ça, c'est votre faute. Où est mon frère? Pas loin. Baisse la voix, tu veux? Ces chiens ont pris ma fronde. T'en as pas besoin. Y'a un garde. Arthur va le faire bouger. Quoi? Comment? Il va faire diversion. Il attend notre signal. Regarde si tu vois quelque chose qui pourrait nous aider. Difficile à dire. Des milliers, ça c'est sûr. Mais les rats compliquent le comptage. Personne. Arco est seul avec ces criminels. Ils lui feront rien. Tu comprends pas. S'il a peur... Sois patiente. Mais d'où ils sortent, ces foutus rats? C'est une rue... Il doit se prier un chemin. Non. Les rats ont décimé des villages valois. On rapporte des milliers de morts par morsure ou contagion. C'est un fléau divin. Et c'est que le début. Y a pas de place pour une guerre là-dedans. Le roi est... Le bras zéro, c'est du métal. Non, on va être bloqué. Vous avez entendu ça? Je quitte ma ronde. Fais gaffe, on sait jamais. Les importants, mais d'où ils sortent, ces foutus rats? C'est une ruse des Valois ou quoi? Non. Les rats ont décimé des villages valois. On rapporte des milliers de morts par morsure ou contagion. On doit se frayer un chemin. C'est un fléau divin. Et c'est que le début. Il n'y a pas de place pour une guerre là-dedans. Le roi Édouard doit rapatrier nos troupes. –
Le tonneau avec les lances. Bien vu. Tiens-toi prête. Bien joué, Arthur. On y va. Fais gaffe aux bouteilles. Quelle plaie d'attendre entre deux batailles. Et les deux là avec leur arc qui la ferme jamais. Oh, ils vont m'en rendre dingue. Reste baissé, d'accord. C'était une sacrée putain de victoire, je vous le dis. La Guyenne est de nouveau anglaise, les gars. Ah ouais? Va faire un tour là-dehors et tu verras que la Guyenne appartient à des putains de... Regarde, la marmite. On les repousse ouais, avec des l'œil, dis donc. Je les ai plus... On y va, à gauche. Pas d'idiotie, on a besoin de toi vivant. D'accord. Quel genre de prisonnier justifie une rançon aussi élevée? Les enfants de Valois. Le fils et la fille du chevalier Robert de Rune. Le chevalier à l'arbre. Ses faits d'armes du temps où il guerroyait sont célèbres. Mais il n'est plus au service du roi Philippe. Un tel intérêt pour des enfants est étrange en effet. Allez donc questionner la sœur. Elle doit être réveillée. Oh non, t'inquiète. C'était couru d'avance. Trop nombreux. On va manquer de pain et de vin. Chaque victoire, c'est pareil. La moitié des réserves part en fumée. Oh, mais t'es folle! Ben quoi? C'est passé, non? De justesse! Va falloir qu'on retourne piller au village. Mon frère, ta libération. Vite! Viens te chercher! D'ici peu, tu seras loin d'ici! Alors, Missia, où elle est? La sœur! Je crois qu'on va la garder avec nous, pas vrai, les gars? Oh non! Chien, non, s'il vous plaît! Réjouis-toi d'être encore vivant! C'est une chose rare ces temps-ci! Hé! Hey, la fille!
La fille ! Hein ? Quoi, la fille ? Mais allez, parle ! La fille s'est échappée ! Sa cage est ouverte ! Tout le monde la cherche ! Merde ! Dispersez-vous ! Surveillez les portes ! Et restez sur vos gardes ! Une cage s'ouvre pas comme ça ! Peut-être un coup des Valois ! Profitons-en ! Attends ici, j'attends ton signal. Les tentes! Fouillez-moi ces tentes! Hugo, je suis là! Amicia, ça va? Tu n'as rien? Non, s'il te plaît, fais-moi sortir! Faut descendre cette cage. Ça va aller, Hugo. Dis-moi, ma fronde, ils l'avaient quand ils t'ont enfermé? Oui, ils l'ont mise dans le coffre, là-bas. D'accord. À toi, Amélie. Amicia, oh, ils ont dit que j'allais partir et que je te reverrai plus. C'est faux, tu vois. Je suis là. On reste ensemble, hein? Bien sûr. Et on va partir avec Mélie. Elle est là pour nous aider. C'est la voleuse. Et elle est désolée de nous avoir dénoncé tout à l'heure. Hein, Mélie? Ouais, ouais, je suis une vilaine fille. C'est bon, on peut se tirer. Prends ma main, Hugo. Allez, on y va. D'accord. Il y a une sortie vers le fond du camp. Si tu sais te servir de cette fronde, vaut mieux que tu passes devant. Toujours rien. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas sortie du camp? Répartissez-vous, séparez-vous, et faites attention aux tentes. Mélie, tu peux t'en charger ? Ouais. Putain, mais c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Encore ? J'en ai encore. Hey !
Laissez-nous en paix. C'était... Quoi ? Tu veux gagner la guerre à toi toute seule ou quoi ? Ce bruit.
Ça va me simplifier la vie. Ça a l'air bien mieux. Soldats, au rapport. Vous en voulez encore? J'en ai encore. Laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix. C'était... Quoi? Tu veux gagner la guerre à toi toute seule ou quoi?
Melly, tu peux le faire? D'accord. De guerre des Anglais aux Français. Édouard III revendique la couronne de France. Moi, quand je fais un truc, je déclare pas, je le prends. Oui, mais toi, t'es une voleuse. Lui, c'est un roi. Quelle différence? Thank you.
paye une rançon pour les enfants de Rune, et je dois les capturer moi-même. Ces Plantagenets sont vraiment des incompétents. C'est lui qui a tué mes parents. Il va nous massacrer. Mellie, fuyez! Garde devant! Élimine-les, Amicia! Isabelle, hey, l'Inquisition! L'échec ne sera pas toléré. On a une sortie. Ramène-toi. Ne ralentis pas, Hugo. Suis Mellie. Amicia, je ne serai pas le prendre. Arrête de courir. Vite, Amicia. Livre-nous, Hugo. Oui, j'arrive. Ils vont entrer. On n'a pas beaucoup de temps. Par là. Vite. C'est pas prêt. C'est fermé. Bordel. Marchez à gauche. Baissez-vous.